Après les propositions que nous avons entendues, je reste quand même habitée par une question qui me tourmente. Comment est-ce qu'on peut remettre sur le métier, à l'échelle d'une vie ou d'un groupe et même d'une civilisation, le travail de l'espérance? Les scénarios usés de l'histoire, des rapports de force, la répétition de l'oppression des plus désarmés par les plus rusés, l'entropie qui altère les bonnes idées, qui deviennent très vite les futures ex-bonnes idées, les effets pervers des meilleures intentions, les idéologies humiliées ou les utopies ridiculisées, et on pourrait continuer la liste, en tout cas voilà de quoi nous dissuader d'espérer encore. En recommençant toujours à espérer, est-ce que nous sommes livrés à une logique de la répétition? Cette répétition qui alterne entre les élans et la désillusion. Alors je voulais commencer par vous passer voilà, une œuvre d'un artiste belge qui vit au Mexique depuis longtemps, qui s'appelle Francis Alice, et qui est bon, un petit peu artiste dans différents domaines, et qui a réactualisé le mythe de Sisyphe par ce petit film. Je vous donne pas le titre en anglais, mais je vous donne en français. Pourquoi faire parfois faire quelque chose ne mène à rien. Alors, je voudrais savoir si finalement ça sert, le propos de cet artiste cherche à ruiner notre courage. C'est le PowerPoint, mais tant pis. Alors, écoutez, c'est sur le PowerPoint, mais manipuler deux technologies en même temps, c'est pas simple. Alors, je vais vous le décrire. Voilà ce qu'il fait. Il déambule dans la ville de Mexico avec un gros bloc de glace. Et il pousse ce gros bloc de glace, un peu comme Sisyphe, pendant 9 heures. 9 heures, c'est le temps qu'il faut pour que ce gros bloc de glace fonde. Alors, évidemment, il y a quand même une caméra qui le suit. C'est pas un acte non plus totalement anonyme et totalement secret. Et on voit bien que ce bloc de glace ne laisse aucune trace et il fait un vidéogramme, c'est-à-dire il fait une sorte de synthèse de cette expérience. Et on passe du gros bloc de glace au petit glaçon qu'il a dû pousser avec ses pieds dans les rues du Mexico et pour arriver à une tache d'eau qui est très éphémère, bien sûr. Alors, évidemment, cette déambulation étrange, sans but et sans discours, parce qu'il ne dit rien sur cette déambulation, nous laisse avec des questions embarrassantes. Ce bloc de glace poussé et porté à ne laisser aucune trace durable témoigne silencieusement de la vanité des entreprises de développement dans les pays pauvres. Ça, c'est lui qui le dit. Ce bloc qui a demandé 9 heures d'efforts au travers des rues de la ville parle aussi de ces généreux élans de partage qui pourtant produisent des effets pervers, qui finissent par désorganiser une économie traditionnelle de subsistance. Et là, je cite un auteur qui n'est pas toujours très optimiste, Ivan Illich, qui dit que c'est dans ces économies où le manque de biens et de services tolérables est remplacé par la pauvreté modernisée. Alors, pour le bien de l'humanité, on vise des échanges équitables et féconds, mais les institutions qui les organisent finissent par créer autant de problèmes qu'elles prétendent en résoudre. Sans répudier les bienfaits des progrès, force est de voir les avancées technologiques comme de nouvelles aliénations, et force est d'envisager leurs effets secondaires comme des obstacles laissés pour les générations d'espérants à venir. Nos progrès, nos sécurités et notre confort doivent être payés, mais par d'autres, et d'un prix dont nous ignorons encore le montant. Quant au souci du développement durable, il reste quand même, faut avouer, une plus-value pour le profit et l'image du monde de l'entreprise, pour ne pas dire une stratégie de reconquête des marchés. Alors, de quel oubli libérateur sommes-nous faits pour recommencer à croire que le meilleur ne fait que commencer dans et par nos initiatives? De quel rêve d'avenir sommes-nous aveuglés juste à temps
pour nous détourner de la réalité obscure et pour reprendre la tâche de transformer à nouveau le monde. Et quelle est cette foi qui nous fait pousser nos efforts devant nous afin d'arriver à des résultats minimes et ambigus? Alors je voudrais quand même rebondir et constater, grâce à cet artiste, qu'il y a quand même des entreprises dérisoires qui sont portées par une espérance sourde, peut-être pas consciente d'elle-même, mais suffisante pour déplacer des foules. Voilà, cet artiste a réussi à persuader 500 étudiants, en fait à vrai dire plus, de Lima à prendre une pelle et à pelleter sous le soleil et dans le sable pendant une journée une dune qui se trouve dans les environs de Lima pour illustrer de manière très littérale la formule bien connue de l'Évangile, la foi déplace les montagnes. Alors, je vous propose de voir quelques petits extraits. Alors, c'est pas grave, c'est bon, la même chose, s'il n'y a pas de son, c'est pas très grave. Voilà. Là, c'est le ruban metteur, parce que c'est scientifique, ça va être mesuré. Voilà, donc il mesure la place, enfin, de cette dune. Voilà. Alors, il fait parler aussi les étudiants qui ont participé à cette entreprise complètement inutile. Voilà. On voit que chacun arrive avec ses propres raisons. Là, voilà la dune. Et regardez, là, il y a quand même une petite, il photographie une affiche où justement il ne faut pas utiliser une pelle. On voit aussi les environs de Lima, bidonville. Cet artiste vit vraiment, enfin, il habite Mexico, mais dans des quartiers pauvres. Alors, est-ce que tu peux avancer? Je sais pas. Regarde. Voilà, les pelles arrivent. Alors, c'est du plus bel effet, hein, au plan. Plastique, on pourrait dire, parce que on a une armée de pelleteurs, on pourrait dire, qui vont déplacer du sable dans un geste vraiment dérisoire. Voilà, ça leur prend quand même une journée. Tu peux avancer parce qu'il y a pas mal de témoignages. C'est écrit. Bon, alors vous allez aussi être un petit peu choqués par les moyens qui sont déployés, mais c'était la ville de Lima qui a commandé donc une performance à cet artiste qui est connu, très connu en Amérique latine, donc qui a financé. Voilà. Alors, ils vont pelleter, ils vont monter, ils vont descendre. Il y a des hélicoptères. Voilà, quand même, les moyens sont assez impressionnants. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Ça, bon, juste pour dire, voilà, au fond, ce projet qui est bon, un projet artistique et donc qui ne nous sert pas des vérités ou en tout cas des projets prêts à l'emploi, hein, mais qui nous posent des questions. Ce projet montre aussi que quelque chose de l'ordre de la conviction a déplacé, peut-être pas la montagne, parce qu'elle a quand même bougé de presque 10 centimètres, voilà, d'après les mesures, mais elle a surtout déplacé ces personnes. Et au fond, on a ce sentiment que cette proposition qui n'a aucun sens, et d'ailleurs qui a une finalité assez indéfinie, a été capable, c'est comme emboîté dans une espérance
qui habitent ces personnes. Je dis exprès espérance, c'est des espoirs, c'est des motivations floues, peut-être pas conscientes. Mais il y a eu une rencontre parce que, bon, quand on écoute vraiment les témoignages de ces étudiants, on se rend compte que ça a provoqué aussi une réflexion et que, au fond, c'est un acte politique. En tout cas, ça a des conséquences politiques, notamment sur la conception de ce qu'est la pauvreté et la difficulté devant la misère qu'on trouve en Amérique du Sud. Alors, là, je voudrais... Bon, cette performance désigne quelque chose d'assez particulier, bien sûr, hein, mais elle nous désigne aussi, par intuition et par allusion, cette puissance qui soutient les initiatives les plus folles, les plus imprévisibles, les plus audacieuses, dont l'homme est capable. À cette nuance près, quand même, que pour celui qui espère quelque chose, eh bien, on peut reprendre le vers d'Apollinaire, comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Alors, je voudrais arriver justement à cette espérance violente, parce que là, je suis passée par cette expérience, qui est une expérience qui a un effet retard sur l'espérance, ou en tout cas sur la réflexion. Mais je voudrais passer maintenant à cette espérance qui est plus violente encore, et qu'on espère contre ses propres espérances. Ces espérances à soi, celles comme ces étudiants qui nous habitent de manière plus ou moins consciente, celles qu'on connaît déjà, celles qui nous ont déjà mis en route. Alors pour cela, je vous propose de suivre ce fil conducteur, parce qu'en hébreu, l'espérance, c'est le cordon, mais c'est aussi le fil conducteur. Et c'est comme un fil conducteur qui se cache sous la trame du corpus biblique et qui réapparaît comme ça, comme un tapis, dans l'histoire de trois figures. Alors, évidemment, j'ai choisi cette figure que Paul a repérée comme étant la figure de l'espérance par excellence, c'est Abraham. Je commence par lui parce que Dieu l'appelle à quitter son pays, cette voie qui est devant, l'appelle à quitter son pays, alors qu'il a déjà un âge avancé, un âge où on n'a plus la vigueur de se lancer dans des projets. Abraham doit aller au-devant de l'inconnu, il doit même aller au-devant et par-devant même l'espérance que Dieu a pour lui. Car Dieu lui dit « va devant ». Ce n'est pas moi, je t'appelle, mais ce n'est pas moi qui vais te dire ce que tu vas découvrir. L'appel qui lui est adressé est comme une provocation à aller au-delà de ses propres espoirs, de ses propres probabilités, hein, dues à son âge, et à dépasser l'espérance que Dieu a pour lui. Jacques Ellul interprète dans ce cas cet exemple en disant que l'espérance est en avance sur Dieu. Et c'est tout le drame, enfin à la fois la passion de l'espérance, mais c'est tout le drame aussi de ceux qui sont habités par l'espérance. Et c'est ce qui fait que l'espérance est violente, comme dit Apollinaire, c'est que c'est une poussée excessive. C'est quelque chose de questionnant, c'est vrai, de farouche, de brûlant, qui nous prend au dépourvu et qui nous fait aller au-delà de l'espérer, et je dirais presque au-delà de ce qu'on imagine que cette voix qui nous appelle espère pour nous. C'est un débordement qui évidemment surclasse l'espoir, parce que l'espoir, c'est raisonnable, c'est valable lorsqu'une issue est envisageable. On a des espoirs lorsque des chances de réussite sont égales à celles de l'échec. On a des espoirs lorsque le pire n'est pas sûr. On a des espoirs lorsqu'un gain est envisageable et que ça peut encore s'arranger et qu'il faut rester optimiste. On n'a sûrement pas besoin de l'espérance lorsqu'on peut compter sur l'effet compensateur du temps qui passe, apaise et finit par guérir, voire cautériser les plaies. L'espérance, ce fil directeur du temps, c'est un fil directeur qui vient croiser le temps apaisé, ou le temps de la logique, de l'accumulation, le temps de l'amélioration, le temps de l'optimisme et de la maîtrise de l'homme. L'espérance, c'est ce surgissement de l'impossible, de l'incalculable, et qui vient comme un voleur, dit l'Évangile. C'est celui du royaume qu'on ne peut pas envisagé par des calculs.
Et c'est la raison pour laquelle il nous est demandé de veiller si on veut vraiment rentrer dans cette réalité-là. C'est pour cette raison que on ne sait pas quand le Fils de l'homme va venir, c'est-à-dire quand cette espérance va se saisir de nous. Alors, cette espérance-là ne vise pas du tout un terme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ce n'est pas une juxtaposition d'efforts ou une combinaison de facteurs qui lui permettent d'atteindre son but. Elle attend ce qui vient à sa rencontre. Elle attend ce qui tarde, c'est pour ça que la vie est si lente. Elle attend celui, évidemment, dans une espérance chrétienne, elle attend celui qui tarde, car il est le seul à pouvoir régénérer la volonté de l'homme, et il est le seul à pouvoir faire apparaître sous les traits obscurs et contradictoires de la réalité la victoire sur la mort, cachée sous cette réalité paradoxale d'un Dieu défait et crucifié. Et c'est l'espérance qui est capable d'ouvrir les yeux pour nous aider à déchiffrer les signes de cette venue. Alors, qui a ces yeux? Alors, c'est en fait la deuxième figure, c'est une femme. C'est une femme qui n'a plus rien. C'est la femme de la parabole de la veuve et du juge. Je vous rappelle l'histoire, c'est l'histoire de ce juge qui n'a aucune éthique, aucune moralité, aucun respect de Dieu ni des hommes. Mais il habite dans la même ville qu'une veuve qui est acharnée et qui prend son rôle de juge au sérieux, qui connaît sans doute son caractère, mais qui sait qu'il doit rendre justice. Et elle tambourine à sa porte jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Et il est obligé de céder parce qu'elle lui casse la tête. Et bien voilà, c'est exactement ce que nous dit Jésus. C'est ainsi que Dieu nous fait justice lorsque l'on tambourine, lorsqu'on se saisit de cette espérance et qu'on ne lui laisse plus la paix, lorsqu'on provoque Dieu à répondre à nos demandes, à nous faire justice à sa manière à lui. Alors justement, l'espérance, c'est pas fait pour l'effort. L'espérance, c'est fait pour les défaits. L'espérance, c'est fait pour ceux qui n'ont plus rien, qui ne peuvent plus compter sur leurs relations, sur leurs calculs, sur leur maîtrise du cours de la vie et des choses. C'est ceux qui sont comme cette femme, c'est-à-dire que finalement, l'espérance, elle est à la charge de ceux qui n'ont plus rien comme cette femme, puisqu'elle n'a plus d'appui, elle n'a plus de moyens de subsistance. C'est d'elle, en fait, qu'on tient aussi ce qu'est l'espérance. Et puis enfin, cette troisième figure qui nous parle de cette espérance violente et qui est peut-être contre nos espérances un peu sages ou peut-être un peu remisée dans des notions un peu théologiques ou, on va dire, vaguement éthiques, c'est celle de Job. Job, il a ces yeux-là qui permettent de discerner les signes d'une réalité qui advient, qui est incalculable, imméritée et que personne ne peut anticiper, parce qu'il est assis dans le désespoir. L'espérance arrive pour les désespérés. L'espérance arrive aux désespérés. Il est là dans son désespoir, mais dans la protestation contre l'injustice, contre l'absurde, contre l'acharnement du mal. Lui qui n'a pas porté l'espérance comme une confiance paisible, mais pas non plus comme un zèle amer. Son attitude est passive, mais obstinée. Et en quelque sorte, elle est l'envers de ce qu'on pourrait attendre d'un homme qui est aux abois. Il ne s'agite pas pour obtenir une compensation. Sa situation ne lui permet pas d'imaginer un progrès raisonnable. Il n'a même pas cette sagesse et cette dignité du sage qui consent aux choses. Il sait qu'il y a plus que les efforts, plus que la bonne volonté, bien plus que l'intelligence, bien plus que le dévouement, bien plus que la connaissance, ces vertus qu'on attend d'un juste. Il y a cette parole sur laquelle Dieu s'est engagé. Et c'est pourquoi il s'obstine à espérer dans une attitude de défi qui vire au blasphématoire. L'espérance de Job le porte à se battre sur le terrain de Dieu,
car dans sa situation, il n'y a plus ni d'agir, comme dit Ricoeur, ni de connaissance, ni de justification qui vaille. Et il dit lui-même à Dieu, « Engage-toi donc, et sois ma caution contre toi-même. » Alors je voudrais terminer sur cette espérance contre toute espérance, qui n'est peut-être pas une espérance antagoniste, c'est-à-dire qui juge et qui combat les espoirs, mais peut-être une espérance qui s'adosse à nos espoirs au moment où on est encore maître des choses. Cette espérance qui viendra aussi nous soutenir lorsque nous serons complètement nus devant la mort. Et voici ce que dit Job. Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription, avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc, elles restaient incisées. Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant, et que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est la mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai, oui, moi. Et mes yeux le verront, lui, et il ne me sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi. Cette espérance pour rien, cette espérance au-delà de la mort, mais dont on ne sait rien, c'est celle qui est capable de donner à tous ceux qui luttent contre l'injustice, pour les autres et pour eux-mêmes, une vigueur qui ne se découragera jamais.